Je suis Marie-Dominique, je travaille en tant que bénévole au musée Horta, à la boutique souvenir, à raison de 2 journées par mois. Je ne suis pas une spécialiste de l'art ni de l'histoire de l'art. L'art nouveau, pour moi, c'est beau, c'est esthétique, ça fait du bien. En Horta, ce que je préfère, c'est l'ambiance qu'elle dégage. Donc, encore une fois, grâce à ses couleurs, ses matériaux, sa lumière, ses formes. Donc, cette ambiance. Le dernier bâtiment Art Nouveau que j'ai visité, ou plutôt que j'ai vécu, c'était lors d'un concert au musée des Beaux-Arts, avec un Z, à Bruxelles. Et donc, dans cette magnifique salle de concert, construite par Horta, et dont l'acoustique reste toujours d'actualité et de qualité. Premier bâtiment Art Nouveau que j'ai vu, c'était dans ma jeunesse à Paris, donc les bouches de métro, les entrées de bouches de métro, construites par l'architecte Guimard, puis les affiches Mucha qui se vendaient sur les quais de la Seine. Voilà, ça c'était mes deux premiers contacts avec Art Nouveau, sans en être consciente. Et voilà, et en étant consciente, c'était l'arrivée à Bruxelles et donc mon enrôlement en tant que bénévole au musée Horta. Je n'en ai pas, ou je les aime tous. En fait, il y a les façades et l'extérieur qui sont des fois qui me plaisent pour certaines maisons, mais dont l'intérieur me plaît moins, et vice-versa. Certaines maisons, l'intérieur me plaît et l'extérieur me plaît moins. Donc voilà, par exemple, la maison Saint-Cyr et la maison Gauchy sont très jolies à voir d'extérieur et puis décevantes de l'intérieur, pour moi. Et l'hôtel de Tassel et Solvay sont plus sobres de l'extérieur, mais très riches à l'intérieur. Alors, ça, ce serait très difficile pour moi, mais je vais vous conseiller 2 livres qui reprennent tout à fait bien les bâtiments Horta. Donc, par exemple, celui-là, Le Bruxelles de Horta, de Françoise Aubry, et celui-ci, qui est L'Art Nouveau à Bruxelles, et donc qui fait la promotion de tout un tas de promenades dans le centre-ville et qui vous fait découvrir des façades ainsi que des intérieurs.